Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter mes achats. Puisque ça fait très longtemps que je n'avais pu passer la petite carte bleue sur Internet. Et cette fois-ci, bah, je me suis fait un peu plaisir. De base, dans une ancienne vidéo, je vous avais dit qu'il fallait que j'achète quelque chose pour Miss Golden. Mais du coup, voilà, j'ai fait une commande et en même temps d'avoir acheté ça, parce que de base, je devais simplement acheter une couverture, eh bien, j'ai fait quelques autres craquages et je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Et j'ai très hâte, donc c'est parti. Où j'ai commandé mes articles, je les ai commandés sur Mini Hors Shop. Alors, me demandez pas un code promo, ce n'est pas un partenariat, je ne suis plus en collaboration avec cette marque. Faudra d'autant plus que j'enlève le code promo qui est dans ma description. Donc désolé pour ceux qui l'auraient testé et qui ont vu que ça ne marchait pas. Normal, je ne suis plus en partenariat avec eux. Du coup, ce colis, c'est vraiment en partenariat avec ma carte bleue. Hein. C'est vraiment moi qui ai tout payé, donc il n'y a pas eu de gratuité dans tout ça. Du coup, je vais vous montrer un peu. Donc, hop, le carton que j'ai reçu, c'est un carton de la taille là. Ce qui est pratique, c'est quand c'est de la taille mini, eh bien, ça rentre dans des petits cartons. Donc je ne reçois pas des cartons immenses à ne plus savoir où les mettre. Et du coup, hop, je vais vous l'ouvrir. Et la première chose que je vais vous montrer, du coup, c'est ce que je vous ai parlé juste avant. C'est une petite couverture pour Golden. Donc j'ai pris une couverture polaire. Donc je n'ai pas pris une imperméable parce que les imperméables étaient beaucoup trop chers. Celle-là, c'est une petite polaire du coup que j'utiliserai seulement si on est vraiment dans les grands froids, donc seulement vers janvier-février. Parce que généralement, là, novembre-décembre, il fait froid, mais ça va encore. C'est vraiment début d'année qu'on arrive dans les grands froids, donc je pense que je pourrais lui mettre juste, je pense, la nuit. Ou on verra en fait, hein, j'aviserai en fonction du temps, des températures et de l'état de Golden. Du coup, je lui ai acheté une petite couverture polaire rose, voilà, pour ma petite chérie. Et du coup, elle fait la petite taille là. Bon, elle prend un peu plus que... Non, voilà, là vous la voyez entière. Donc j'ai pris une 90 cm. Je vous avais dit que j'avais peur que la taille soit trop grande. J'ai quand même pris une 80 cm parce que une 90 cm parce que j'avais peur qu'une 80 cm soit trop petite. Du coup, voilà, je devrais l'essayer. Je croise les doigts parce que sinon, il faut que je renvoie et tout et ça va prendre un temps monstrueux. Bon, ça va qu'elle n'en ait pas besoin maintenant, mais bon. J'espère vraiment avoir fait le bon choix niveau taille. J'ai fait un achat qui va m'être utile et je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser sur deux loulous, sur Bilbao et Gossip en même temps. Golden, je sais pertinemment que ça va être trop grand. Mais du coup, j'ai investi dans un caveçon. Donc ce n'est pas un filet, c'est un filet caveçon. Donc c'est un filet, mais également un caveçon. Donc on a le côté caveçon du coup avec la muserolle qui a plusieurs anneaux. Donc pour tout ce qui est le travail à pied. Et on a également sur les côtés, ça peut s'enlever, mais des coups, des petits montants pour pouvoir accrocher un mort. Si je dois venir à devoir mettre un mort à Bilbao ou à Gossip lors du travail, eh bien je peux en mettre un et les enlever si j'en ai pas besoin et d'avoir du coup deux autres anneaux à disposition. Mais du coup voilà, c'est un investissement que j'ai fait, il fallait que j'en achète un. J'en voulais un quand même de bonne qualité, donc ça c'est également de la marque Mini Hors Shop. Du coup voilà, j'ai investi dans ce petit caveçon, je sais que ça va beaucoup me servir autant pour le travail de Bilbao que pour le travail de Gossip. Ce qui va être bien, c'est que du coup le petit frontal, je vais pouvoir l'échanger avec celui de chez Hector. Donc c'est également pour ça que je voulais en racheter un. Je vous avais dit que je savais pas si le filet d'avant à Bilbao irait. J'ai préféré racheter du neuf pour repartir sur des bonnes bases et du coup voilà. Un petit caveçon que je trouve super mignon et du coup c'est une taille mini. Il propose de la taille miniature, mini et Shetland si ça intéresse. On arrive vers ma période de craquage. J'ai littéralement craqué. Ayant acheté une petite couverture à Golden et voyant qu'au final je ne lui ai pas énormément acheté d'affaires. Depuis qu'elle est là, elle a simplement deux ou trois licoles. Et c'est tout au final, elle a rien d'autre. Je lui ai vraiment rien acheté d'autre. Du coup, pour le moment, bah, vu qu'elle maintenant elle a déjà sa petite couverture, Bilbao et Gossip ont énormément de licoles. Bon, je sais que eux, ça les concerne pas, mais moi, personnellement, c'est mon plaisir, c'est voilà, c'est mon petit kiff. Beaucoup achètent des tapis, des trucs comme ça, et bien moi, j'achète une multitude de licoles, c'est mon plaisir. Du coup, j'ai voulu racheter des licoles à
Golden. Du coup, le premier licol que je lui ai acheté, et du coup, ça ira avec son petit, sa petite couverture, c'est ce petit licol-ci que je trouve vraiment hyper mignon. Donc, il est rose et du coup, sur la tétière et la muserolle, on a un petit décor avec des petits dés. En fait, c'est en forme de petits dés avec des couleurs que je trouve super mignon. Ça ira hyper bien, du coup, avec la couleur de sa couverture. Donc ça, c'est vraiment mon petit kiff personnel, hein. C'est vraiment ça plaît ou ça plaît pas, moi j'adore ça. Du coup, je l'ai pris en taille 1, mais du coup les tailles mini hors shop, ça n'a rien à voir avec les tailles standards. Là, c'est vraiment des tailles spécifiques au mini poney. Du coup là, c'est une size 1, donc c'est taille poule, hein, que j'ai pris parce qu'elle n'a pas une grosse tête. Du coup voilà, j'ai pris ce premier licol. Si deuxième licol que je lui ai acheté, c'est celui-ci, je le trouve hyper joli, c'est un peu plus neutre, donc c'est avec des gris paillettes. Donc voilà, je le trouvais hyper mignon, ça lui ira hyper bien. Elle qui a quand même un regard qui est assez profond, que j'adore, ça lui ira super bien. Du coup voilà, je lui ai pris également ce petit licol là, toujours en taille poulain, donc poulain de chez Mini Hors Shop. Et un dernier licol que je lui ai acheté, donc c'est un peu, je crois que c'est celui-là. Un dernier licol que je lui ai acheté, c'est celui-ci. Hop. Il est marron, parce que je sais que j'achète très peu de marron, avec des petits motifs girafes en brillant. Et je le trouve super joli, en fait, hein, pour l'automne, automne-hiver. C'est les superbes couleurs, donc toujours en taille poulain. Cependant, quand j'ai vu ce licol-là, j'ai fait un autre craquage, en fait. J'ai eu ma petite envie. J'en ai acheté 3 en tout. J'ai acheté un taille poulain pour Golden et deux tailles Yearly pour Gossip et Bilbao. Parce que du coup, voilà, tous les trois auront le même licol. Ils seront tous les trois avec les mêmes licols. Attends, que je vous ouvre ça pour que vous puissiez voir du coup la taille que ça fait. Du coup, voilà. Là, c'est la taille un peu plus grande, donc j'espère que ça ira quand même à Bilbao. On verra bien, sinon bah, on achètera une taille... une taille au-dessus. Mais du coup voilà, je les trouve super jolies. Je pense que sur Gossip ça va hyper bien ressortir le brillant, sachant qu'elle est toute noire, donc j'adore. Du coup voilà, je me suis amusée à acheter les petits lots, donc vous voyez déjà la différence entre un taille poulain et un taille hurly. Il y a quand même ça de différence. Du coup voilà, je les ai achetés en 3 exemplaires pour mes loulous. C'est mon petit kiff. J'ai vraiment craqué. Quand je vous ai dit que j'ai vraiment craqué durant ces achats. Et pour terminer, j'ai racheté 3 trucs qui est hyper simple, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai racheté 3 lots de longes. Donc hop, du coup c'est des longes toutes noires. Moi j'aime bien les licoles, voilà, quand j'achète des licoles, si je sais pas quelle longe mettre parce que j'ai pas les longes de la même couleur, oui, ça c'est vraiment mon kiff, ne cherchez pas à comprendre, c'est vraiment mon kiff. Du coup j'ai dit je vais racheter des longes, 3 longes noires comme ça. Si je dois faire des photos ou des choses comme ça, eh bien j'ai pas besoin de chercher quelle longe ira bien avec ce licol là. Du noir ça passe partout, donc c'est de la marque QHP les 3. Voilà, j'espère que mes articles vous auront plu. On se retrouve du coup samedi pour faire les essayages. Je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui, parce que voilà, je vais vous laisser un peu le suspense. On verra si la couverture va à Golden. N'hésitez pas à parier un peu en commentaire. Dites si vous pensez que ça ira, si ça ira pas. Et voilà, pour s'amuser un peu. Et si, voir si vous pensez également que les licoles iront. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vais vous laisser. On se retrouve du coup samedi. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Salut !